C'est parti pour le Danemark, les gens. Ah, c'est un peu tard pour recommencer un truc comme ça, mais... Je pense que le Danemark, c'est plus simple. Il y a beaucoup de panneaux. Alors, on a une rue. Rue. Tombole. Garde. Garde-vège. Ah! On démarre là-dessus. KR Bigade. C'est ça? On commence sur la rue. KR Bigade. Il n'y a même plus besoin du ventilateur là avec l'air. Il y a un arrêt de bus, c'est bien. Et voilà. Voilà pourquoi c'est simple, tout est indiqué. Alors nous avons STHV, meilleure musique. Alors ville. Nous avons à l'ouest. À l'ouest, nous avons STHV et Garde Butikaire. Et à l'est, nous avons... Ah non! C'est toi l'ouest! Arn Kill, 4 km. Et Skovuz, 3 kills. Sonderborg est au sud. Mais je crois que Sonderborg est assez connu, non? Sonderborg. Peut-être pas. Sonderborg au sud. Sonderborg. Pa-da-pa-pam-pam. Une des meilleures musiques comme celle-là. STHV. Donc on est vraiment... On est à côté de STAV. Ce qu'il nous faudrait, c'est une route. Ah oui, STAV, c'est minuscule. Est-ce qu'il y a pas mal de routes? Elles sont indiquées quand même, les routes. Au Danemark. Parapapapam.
Scovus, ouais, vraiment, c'est trois villes qui se courent après. Trois villages, en fait. Pas vraiment des villes. Et donc là, on devrait arriver à la dernière, à Arc Machin, là. Qu'est-ce qu'ils disent? On arrive à Arnkill. Ah, 8405, parfait. Tout ce que je demandais. Ça nous donnait une idée. 11, 8. Sonderborg. Sonderborg à... au sud. Alors, est-ce que je trouve mes trucs? La 8. La 8, la 8, la 8. Et puis nous, on partait vers... quelle direction? On partait vers l'ouest. La 8 va à l'est. Donc on la rejoint depuis où? Depuis le sud. Est-ce que ça serait ça? Petite route comme ça. Qui rejoindrait. Et ils disent quelle direction? 8, 405. 405 aussi, tiens. Là c'est la 11. Ok, ça devient la 8. Il y a quand même pas mal de petits noms de villes. Caer. Caer Bigad. Est-ce que ce serait ça? Scovus, Arnkill. Ah. J'ai trouvé. Ah ben voilà, c'est déjà beaucoup plus simple, hein. Donc là on est là. Et il y a cette petite route qui nous permet de rejoindre la 8. Si on la suit, on arrive sur la 8. Par la 405 en fait. Donc nous on vient de là. On vient de par là. Alors retournons au point de départ. Donc là on est sur nos rues. Qu'est-ce qu'ils disent là? On est à Hestehave. Hestehave, c'est là. Ok. Cette rue, c'est la rue de Westermark. Où est-elle? Westermark. Ah! Pourquoi je la trouve pas? Pourquoi je trouve pas Westermark? Westermark. Là. Caer Bigad, voilà. Alors. On va direction sud-est. Là, sud-est. Et là, on a Caer Bigad, c'est ça, hein. J'ai un petit doute quand même. On est sur Caer Bigad, hein. On est vraiment à un endroit où ça descend. Là ça descend. Et nous on vient de l'ouest. Devant une maison. On vient de là. Et là ça fait la boucle. Ça fait une sorte de boucle bizarre. Ah, et c'est là qu'on peut aller, oui. C'est là que ça fait l'espèce de boucle. Ok. C'est-à-dire qu'on est vraiment... Donc, il y a des maisons en face. Là, il y a notre petite maison. Et là, il y a encore une autre maison, hein. Ah, j'ai peur de me faire avoir... Je vais mettre là. 5 mètres. Ok, ça va. Ah! Oh non! Pourquoi j'ai dit que c'était facile le Danemark? Pourquoi? Pourquoi je dis ça?
Qu'est-ce que c'est que ce plan HUC? Bien joué Titi pour le level up. Oh non, mais non. Si on peut sortir, ça va. Mais si on peut pas sortir, c'est vraiment l'enfer. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Des ruines. Ah. C'est joli. Ah, il y a... Ah ouais. La musique de l'océan. Oh, cette musique, elle est incroyable. Elle me donne des frissons. Il y a une... Oh, il y a une œuvre ici. C'est spécial. J'ai l'impression qu'on est dans une sorte de musée en plein air. Toilette, kiosque. On est dans un musée en plein air, hein. C'est un peu... Un peu la merde. Cycle parking. Ouais, en plus, on est à pied, hein. Oh non, on est à pied. Ah! Oh, let's go. On peut en sortir. Alors, est-ce qu'ils indiquent ce que c'est? Ils vont sûrement l'indiquer. Au nord, il y a de l'eau. Alors. On va noter ces, noms de, ces deux noms de rue. Rue qui borde le musée. Le... Ouais, on va mettre... C'est pas un musée, mais le... Lieu dit. Lang... Lange Bjerg Vej et Slots Ling Vej. Au nord, c'était les Gorons. Ah, ce serait donc le... Je vais le noter. Le Stenbruds Museum. Stenbruds Museum. Mandag, Fredag. Attends, j'ai cru que c'était un nain. Au secours, j'ai cru que c'était un nain, tu sais, comme les nains de jardin. Oh non. Est-ce que toi aussi cette musique te rend nostalgique de quelque chose? Oh! J'ai eu une taille? Vraiment? Est-ce que j'ai eu une taille? J'ai eu une taille! Let's go! Alors, Pokédex. Johto. J'en ai eu combien? Il me manque un Pokémon. Il me manque Celebi. Ah non, il me manque... Oh, oh! Ok, il nous faut Oh, oh. On va attraper Oh, oh, les gens. Peut-être pas mettre ça, on va plutôt mettre une... Je sais pas si ça va marcher, ça.
Ah, terrible. Il nous faut OO. Je crois que c'est vraiment le dernier qui me manque, hein. Oh oh! Oh ça prend du temps à le tomber, hein. On va voir combien j'ai de chance. 17! Ah non, 17 c'est trop peu. On va plutôt mettre une comme ça. Ça marche peut-être que sur les routes. Une sombre boule plutôt. Hein. Oh, Ratatac. C'est nul, Ratatac. Il va me falloir des Pokémon glace à Drani. Oh, il était là. Oh. On avait 17% de chance avec la Speedball. Combien on va avoir de chance avec notre sombre ball? 28. Je l'ai eu! Incroyable! On a eu les 100 Pokémon. Attends, mais c'est fini du coup? Non? Pokédex. Pokéball. Code Pokémon. 99 sur 100? Comment ça 99 sur 100? Dans le Pokédex, ça me met 100. 100 Pokémon. Il me manque qui? Bah, j'en ai eu 100. Il me mente! Bah, il manque Celebi, mais Celebi, c'est où? C'était là? Dans la forêt? Will appear before anyone who has proven they're a champion Pokémon trainer. Dans quoi il dit? Ilex Forest. Ilex Forest. Ilex Forest. Celebi! Il y a Celebi! C'est le dernier. Rendez-vous compte. Your undergrounds. Deals have been updated. Ah oui, il est minuit. C'est normal. C'est la gouille, hein. Je veux pas Beedrill, moi, je veux Celebi. Oh là là, j'ai terminé Johto. Celebi. Alors peut-être. Oh, la musique préférée de Dadrani. Ah non, c'est pas la préférée. Tadam. Non, il y avait 44%. Quarante. On va l'avoir. Promis, on va l'avoir. Avec la musique. La musique épique. Ça va partir en clip. Si on l'a là-dessus. La musique d'Undertale. Le Celebi. Le Celebi. Le Celebi. On a fini. Le Pokédex. De Johto.
Pam 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 pam. Pam 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 pam. Let's go, j'ai fini la zone de Johto. Vermillion City, allez où? Vermillion City. Hop, 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 hop. Parapapapam, pam, pam, parapam, pam, parapam. Dix, onze, douze, treize, quatorze, quinze. Il faut 5... Oh là là, les Pokémon de type glace, ça va être terrible. Hein. On fera ça plus tard. Route 28. Kanto. Route Kill. Voilà, on va laisser ça en fond. Puis, je suis trop content, les gens. C'est trop cool. Hop. Oh bah c'est rare, hein. Est-ce qu'on les capture quand même? Non, on les capture pas. Allez, c'est parti. Donc on cherchait. On a nos noms de route. Et là, incroyable. On a... Ok. Hammervan. Hammer. Hammerhavn. Et Bad Farten. Alinge Sandvig. Alinge Sandvig. Ah, plutôt suivre cette route, hein, je pense. Incroyable! J'ai terminé Johto, je suis trop trop content. Encore une fois, ça n'avance pas. Oula. Allez, on termine ça et puis on aura... Enfin, on termine. On est au deuxième point, hein, mais... Je pense vraiment que le Danemark va être moins compliqué que l'Estonie. À voir, hein. J'avoue que si on n'a pas numéro de route, c'est pas simple. Qu'est-ce qu'ils disent là? Sandvig. Il n'y a pas de numéro de route? Ils veulent pas mettre un numéro de route peut-être? Alinge. Vas-y, on va aller à Alinge. On peut pas aller à Alinge. Parapapam, pam, parapapam, parapapam, pam, parapapam. Juste trouver un peu la route, et puis on est bon, je pense, hein, pour trouver ce musée. Oh, c'est joli, ces petites maisons. Ah oui, au nord, il y avait de l'eau. Ça avance pas très vite, hein, par là, par contre. C'est un peu... Un peu lent.
Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent là? Hammerschuss. Centrum. Au nord-est, il y a de l'eau. Et là, on sort d'où? Est-ce que ce serait Alinghe? École. Ah, ça a l'air quand même grand, ça. Est-ce qu'on ne verrait pas quelque part Alinghe? Avec de l'eau au nord. Alinghe. Nordlandschalen. Alors là, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent Sandvig. Sandvig. Une assez grande ville au bord de l'eau. Sandvig. Vig. Pardon. Sandvig. Amervan, Bad Farten, Alinghe, Sandvig. Il nous faut vraiment un numéro de route. Et là, ils nous redisent Centrum. C'est marrant, en fait, c'est deux villes côte à côte, je pense. Oh, c'est joli, ce petit port danois. Ah, oh, j'aime bien. C'est tout mignon. Ah, on est à Hammerschuss. Peut-être à Hammerschuss, là. On sera à Hammerschuss. Ce serait genre trois villes qui se suivraient. Ça m'étonnerait pas trop. Sandvig Centrum. Le centre ou Sandvig, ouais. Et là... Ah, la 159. René. René. 159. Est-ce que je vois René quelque part? René ou Asle? 158. Alors, on a René ou Nexo. René ou Nexo? René ou Nexo? René ou Nexo? Rib. René ou Nexo? Je ne vois pas pour l'instant. Ah, il est peut-être pas si simple que ça, ce point. René Nexo. C'est la 158 et la 159. Ah, mais si on zoome, on a des petites routes aussi. 170. On peut trouver juste comme ça. Il y a les 400 là. Ah, 165, on se rapproche. 160.
153. On serait peut-être sur une petite île. 154. Alors peut-être. 150. 157. On est tout proche. 157, elle va où? Elle va là. Je ne vois pas de 158, je ne vois pas de 159. J'ai envie de... J'ai envie de canner. Juste envie de canner. 152. Je trouve la 157, mais pas la 158, 159. Et là, ça passe à 163. Est-ce qu'il y aurait une île? Samso? Là? Et là-haut? On a quel numéro de route? Plus de numéro de route, là? Il y a 180. Ça n'a pas beaucoup de sens, leur truc, quand même. Ou alors, je ne le saisis pas. Alors, vraiment, on a trouvé 157, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Il y a René ou Ast. René ou Nexo. Dans le coin, là, il n'y a pas René ou Nexo. C'est l'heure de couper les... C'est l'heure de couper les baies. Hop. On va planter... Coucou Fernie, comment vas-tu? Tiens, on va profiter pour faire ça. Vite fait. C'est toi le giga BG d'abord. Comment vas-tu? Mon beau Fernie. Dernière nuit en vacances. Ah, t'étais en vacances. T'es parti quelque part? C'est vrai que t'étais pas là mardi, je crois, chez Twinso. Attends, t'étais là ou pas? Non, c'était Séraphin qui était là. Je sais plus. J'espère que tu vas bien. Vendée, oui, tu nous avais dit. Alors, j'essaie de trouver René ou Nexo. Je t'avoue que c'est pas une mince affaire. Je ne trouve aucune des deux villes. Et à la 158. Pas de la semaine. Tu as pu te reposer, c'était bien. J'ai trouvé la 157. Les 150, 153 et tout. 151, 154. Et je ne trouve pas la 158 et la 159. Les deux qui apparaissent. Ça me donne envie de canner. Joker. Ah oh non! C'était pas ouf. Oh, je suis désolé pour toi. Cœur sur toi, Fernie. Bon. Si au moins il y a eu un petit peu de positif, c'est déjà ça. Mon beau Fernie, roi des gens du Nord, que tu es beau et que tu es fort. Ça va pas du tout avec la musique de Céleste derrière, mais bon. Mais putain, mais c'est où Ronnie et Nexo? Ronnie et Nexo. Mais c'est terrible! Là? Bah, je viens d'avoir les deux chiens légendaires qui me manquaient. Et j'ai, dans la foulée, j'ai attrapé Oho et Celebi. Donc je peux passer à Owen si je veux. Mais regarde, j'ai des quêtes de merde là à valider. C'est terrible. Attraper 215 Pokémon de type glace, ça c'est trop chiant. Donc là, je laisse en farm tranquille.
Tu l'as déjà? Ah, c'est Libby, on peut déjà l'avoir. Ah, c'est peut-être qu'on a battu la ligue alors. D'accord. Un conseil, essaye d'utiliser les sombres balls si t'en as. C'est quand même terrible que je trouve pas. Attends, mais je suis trop bête, on est au... On est au bord de l'eau. J'ai oublié ça. Il y a de l'eau au nord. Il y a de l'eau au nord où on a... Tu prends les Master Balls? Ah, moi, je les ai... j'ai utilisé que les Master Balls pour les chiens. Tu mets New. Tu mets New dans la route où passent les chiens légendaires et hop, tu mets Master Ball. Mais franchement, c'est de la merde ce point. C'est moi qui pensais que ce serait facile. Je comprends rien en fait. Surtout les Pokémon qui se déplacent quoi. J'ai tellement galéré pour avoir Malos. Parce que là, ouais, nord-est, on a de l'eau. Je suis vachement éloigné du point de départ, mais bon. Oui, mais non, mais t'as raison. Hello, Nast. Alors, on va... Ouais, à chaque fois, je dis... En fait, je vois l'alerte, je dis hello. Coucou, Nast, merci beaucoup pour ton raid. Comment vas-tu? Borderlands 3, c'est vrai qu'il est gratuit. N'oubliez pas si ça vous intéresse, hein. Il y a Borderlands 3 gratuit sur l'Epic Game Store cette semaine. J'ai pas encore pris, mais... Ok, il y a un restaurant en taille. Écoute, je galère avec mon point. Mais j'ai réussi à faire 25 000 en Estonie. Ah, c'est terminé! Oh merde, non. Je l'ai raté, c'était que pendant 24 heures. Oh putain, mon modo il me l'a dit et je me suis dit c'est pour une semaine. Bon, tant pis, de toute façon, je pense pas que j'y aurais joué. C'est possible. J'ai dû rater. Mais c'est de la merde, c'est vrai! C'est terrible! 158 pour Nexo! Non mais sérieux! Sud-Est Nexo! Quelque chose qui a 38 kills, on aurait pu pouvoir le voir! 34 kills là! Nexo! Nexo, 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 Nexo! Ou René! René ou Nexo, hein? René ou Nexo. Hey! Coucou coucou Twin! Comment vas-tu? Comment s'est passé ton live? Bienvenue les Twingonauts! S-O Twinsen. Coucou Kat! Coucou Twin! Ah! Tu as continué la bande dessinée? Je vois art. Oh, c'est encore pire. C'est encore pire. On est perdu au Danemark, les gens. Je cherche Nexo. Je ne trouve pas Nexo. Comment ça va de votre côté? Non, mais attends. Nexo. 34 km. Ça doit être une ville quand même importante. Pourquoi je ne la trouve pas? Nexo. Noragé. Ouais, ça j'en ai bien besoin. Hein. Est-ce qu'on serait pas sur une île? Je dézoome un peu. Nexo, je ne vois pas Nexo. Ah, attends. Est-ce qu'il y aurait des îles qui appartiennent au Danemark? À l'extérieur du Danemark. Je file déjà BGG de la route, mais il n'y a pas de problème. Ça fait plaisir de te voir faire un petit coup.
Bon courage pour la route de retour. Des bisous à toi. Alors. Maribo. Non mais sérieux? Nexo? Je ne le trouve pas. La 158-159? Je ne les trouve pas. À part le Groenland? Bah j'y ai pensé, mais ça ressemble pas du tout au Groenland. Là, une petite île là. Non mais c'est pas assez. Problème c'est que Nexo et René, qui ont quand même pas mal de kilomètres, n'apparaissent nulle part. Ou alors je ne vois pas. Je suis aveugle. C'est pour ça que je partais sur une île. Et que je ne trouve accessoirement là, on a la 157. Mais la 158 est introuvable. Ça me saoule. On a la 151, la 157, la 154, 153 là. Bah je suis un peu, hein, on va voir. On va voir où ça nous mène. 153 toujours. 153. Je ne vois rien d'autre. Et c'est pas trop dur à faire ta bande dessinée? Tu prends du plaisir, je pense, à faire ça. Un peu quelque chose de. C'est créatif, quoi. 150, 151. La 151, elle borde là. Et si c'était à Copenhague? Oh putain, si on est à Copenhague? 156, ça sent. C'est le seul endroit que j'ai pas vérifié, c'est Copenhague. Alors je vous dis, si on est dans la banlieue de Copenhague, je vais péter un câble. C'est vrai que c'était quand même. On a de l'eau au nord-est. 152. Je trouve pas. C'est peut-être une île qui a été engloutie. Alors, si vous voulez, je vous remonte depuis le point de départ, hein, ça peut être intéressant. Des fois, c'est bien de reprendre depuis le début. Qu'est-ce que j'ai comme note? Hamervan, Bad Farren, Alinghe, Sandvig. Alors, Alinghe et Sandvig sont vraiment les deux grandes villes. Est-ce que ce serait des quartiers de Copenhague? Je ne pense pas. Alinghe, Sandvig. Je ne vois pas. Je vais quand même noter Nexo. Nexo et René. On va mettre grande ville. Alors, le point de départ. Alors, on va peut-être mettre ça. Mais le point de départ, regardez. On est là, dans des ruines. Et on voit que on a de l'eau au nord, à l'ouest. Bah, justement. J'essaie de voir où est-ce qu'il y a des côtes. Genre là, il y a de l'eau au nord. Après, tu sors d'ici, par un petit chemin. Vraiment, on est. Ah, on est sur l'ouest, en fait, plus que le nord. Ah, intéressant. Mais là, on est d'accord que c'est la Suède, là. Ah, d'accord, ça serait plus l'ouest, alors. Je sais pas pourquoi j'étais parti sur le nord. Bon, attends, on va continuer. Ah non, c'est pas trop. Ah oui, c'est vraiment même l'ouest. C'est le plein ouest. Pas de problème, bonne nuit, Kat. C'est sympa d'avoir suivi le raid. Alors là, ensuite, on sort de cette espèce de site touristique ou musée ou je sais pas ce que c'est. On sort. Hop. Bisous, bisous. On sort de là. Derrière, il faut un peu forcer pour sortir parce que. Il y a des vaches, voilà. Et là, on est un peu bloqué, mais on peut forcer.
Voilà, on peut forcer. Et tiens, je vais essayer d'aller dans l'autre direction cette fois. Au sud. J'étais allé au nord la dernière fois. On va peut-être avoir d'autres infos. Mais c'est intéressant, ça voudrait dire que... on serait sur la côte ouest. Et ça, j'ai pas cherché. Avenso. On n'a pas noté un truc comme ça? Non, Amervan. Côte ouest. Là, y'a rien. Côte ouest. Bien joué, Nast, pour ton niveau 18. Je continue, hein. C'est cette espèce de... de truc, de musée ou de site archéologique. Ce n'est point facile. Bravo, bravo. Slotsingen. Bien sûr, ça se traîne. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent là? On arrive à Hammershus. Hammershus. On était, il y avait quand même des grandes villes hein, là où on était, après. C'est ça qui est étonnant. C'était pas des petits villages paumés. Attends, vérifions quand même le Groenland. Ça ressemble pas du tout au Groenland. Les îles Féroé, ça appartient pas au... non. Ah, ça, qu'est-ce que c'est? Moi, je vous dis, on n'est pas exactement au Danemark. Et là? Ça ressemble pas à ça. Bon. C'est beaucoup trop vert. Il y aura peut-être une autre route. Si on arrive à trouver une autre route vers le sud. C'est pas facile ce pont en tout cas. L'Estonie, j'ai déjà galéré pas mal avant. En vrai, c'est assez sympa à faire, ça, Twin, hein. Les... par pays. T'essayes de faire 25 000 en étant précis. J'aime bien. Ah, alors ça va être intéressant. Qu'est-ce qu'ils nous disent? D'accord, ils nous disent qu'il y a du camping. Trop bien. Est-ce qu'on se sert encore un peu de coca? C'est un peu tard, hein. Sandvig à 3 km. Et voilà, je vous dis. Coucou Charlie! On est un peu paumé là. Comment allez-vous, monsieur Charlie Stradlin? Et là, on arrive à Hammershus, je crois. Ah, alors ça, c'est très intéressant. Voilà. 159. René. Alingué. Non, mais faut faire ce qui te plaît, hein, avant tout. Ah, alors attends, ça peut être intéressant. Hammershus, Hammeren... vous voyez? René, 21 kills, ça devrait être affiché. Sur la 159. René. Je trouve ça surprenant.
Comment ça s'est passé alors, Charlie, ton concert, le fameux concert? Non mais sérieux, René. Si vous voyez René, vous avez le droit de dire vu. René ou Nexo? Ce sont les villes qui apparaissent depuis le plus loin. Je ne vois rien, je vais zoomer d'un cran. René. Je pense que c'est une très bonne décision, Twin. René ou Nexo? Putain! C'est chiant! Moi qui disais que ça serait facile, le jeu m'a mis un bon gros chèque dans la gueule. Et puis la 159 est introuvable. Et voilà. Regardez là. Je disais qu'il y avait de l'eau. Ah non, il n'y a pas d'eau. Je suis quand même admiratif devant ton assiduité, Charlie, à faire les tournois de ponce. Allez, ça n'avance pas, on se traîne. Merci Batipo pour ton follow. Bienvenue. Oh là là, c'est long et dur, hein. On ne trouve rien. On ne trouve rien. C'est marrant, on dirait vraiment qu'on est. Est-ce qu'on serait sur une île? Parce qu'il n'y a pas 36 000 îles. Regardons le Danemark. Le Danemark, il fait quoi? Il fait ça. Je ne vois pas de 159, je ne vois pas de 158. Si on zoome, ça nous permet de rien trouver. On a la 163. On va retrouver la 157 comme avant. Sauf qu'il faut qu'on regarde vers les côtes, hein. C'est proche de 158 et 159, hein. Cent soixante-cinq. Sachant que là, on a la 150 et la 157. Mais la 158 et la 159 sont introuvables. C'est vraiment terrible. Je pense que je vais jamais trouver. Je ne vais jamais trouver. Bon. C'est un peu désespérant quand même. Ah, le concert. Pardon, j'avais pas vu. Le concert était sympa, vidéo soon. Quand même, un truc qui datait d'il y a 2-3 ans, hein.
Donc là, on va au nord-est. Direction Rhône. Je pensais pas galérer autant sur ce point. Donc là, on arrive où? On arrive à Alingé-Sandvig. Ah oui, mais c'est de là d'où je viens. Alingé-Sandvig. Avec de l'eau à l'est. Tu vois, Twin, hein? L'eau est à l'est. Je pense vraiment qu'on est sur une île. Clemensker. Pas beaucoup d'îles, hein. Alingé-Sandvig. Putain, regardez où on est. Regardez où on est. On est sur cette île de merde. On est là. Donc, voilà le Danemark. On est là. Oh là 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 là. C'est pour ça que je trouvais pas la 159 et tout. Ok. Bon. Bon. On a trouvé. Maintenant, il faut essayer d'être très précis. Amershus. Amershus Slots Ruin. J'ai trouvé, maintenant il va falloir être précis, mais ça va être compliqué. Sachant qu'on est sur la route, rue qui borde le lieu dit, Langebjergvej, et... Ouais, c'est là. Hammervan, je pense qu'on est là. C'est ultra dur d'être précis, là. Parce que là, on est au milieu de je sais pas quoi. Ouais, mais si je perds des points parce que je suis pas précis là-dedans... Donc là, il y a les ruines. Bah, bonne chance d'être précis, hein. J'ai envie de canner. On va perdre 5000 points à cause de ça. Voilà, là, il y a la petite route qui descend. Le problème, c'est que, bon, bah, voilà, quoi. Ils sont bien sympas. Voilà, là, on peut redescendre par le petit chemin au nord, au bord de l'eau. Petit chemin. Ta-ta-ta-ta-ta-ta. C'est dur à estimer. Nord-est. Est. Ouais, je pense que c'est ça, hein. Et là, le truc, il termine comme ça, quoi. On serait là-dedans. Sud-ouest, il y a de l'eau. Ouest, il y a de l'eau. Une fois que je vois à quoi ressemble le bord de l'eau. On est quand même assez loin du chemin. Si je vais voir par là. On peut monter là. On peut pas monter. C'est horrible. Ça fait comme ça. Comme ça, je pense. Je déteste ce truc.
Qu'est-ce qu'ils disent là? Bon bah écoutez, on va perdre des points à cause de cette saleté. Mettons-nous là. 80 mètres. Comment veux-tu être précis? Je suis désolé. Bon. Envie de canner. Et je perds 7 points quoi. Ouais, mais moi je voulais faire les 5000. Ça c'est un peu sale quand même. Bon, tant pis. Résume vège. Ah, j'ai pas eu de chance sur le point quoi. Là ça devrait être plus rapide quand même. Parce que le Danemark c'est quand même bien indiqué hein. Merci pour le GG. Ah, j'ai raté un truc là. Ça, on s'en fiche. Ça a l'air d'être une grande route. Il faut juste un petit panneau avec des villes. Pourquoi il y a écrit ça à chaque fois? Attends, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi ce sont des routes sans issue? Le bus, ça aurait pu être intéressant de voir où il va. Je rate quand même beaucoup d'infos, hein. Bon, on peut pas le voir. Alors. Kirk. Ah, ça m'étonnerait pas qu'on soit dans la banlieue de Copenhague. Pourquoi? Non. En vrai. Parce qu'il y a des espèces de... C'est bizarre ces rues qui font sens unique. Alors, on quitte Silkeborg. Silkeborg. Trop bizarre ça, c'est pour dire que c'est... Attends, c'est une autoroute? Non. J'ai même pas l'impression qu'il y ait des autoroutes dans... au Danemark. Ça ressemble pas à une autoroute du tout. C'est des peines cul, c'est-à-dire... C'est... T'as des vallées sans... Ils ont des chevaux et des villes. Ah, dans ce... Mais je crois pas qu'ils aient d'autoroute, hein. Tu regardes leur pays, on dirait pas. Ils ont des routes. Après, c'est pas très grand non plus. Je suis jamais tombé sur des... Ah, alors ça... Mais... Ça nous indique rien du tout. Silkeborg, d'accord. Moi, j'aurais les trucs avec les panneaux rouges, là. C'est un pays riche. Oui, oui, oui. Ah, voilà. Silkeborg, 5 km. Ouais, mais ça, je savais déjà. C'est gentil. Et là... Nordehogemark, mais pourquoi est-ce qu'ils mettent le nom de la rue? Ah, alors là, on a Kragelund Osterboarding. Bon, je vais quand même le noter. Nord-Ouest. On va se mettre comme ça. Départ. On a Osterboarding à 1 kill. Et Kragelund, 6 km au nord-ouest. Bah, tu sais quoi, où est-ce qu'on veut aller?
On va aller dans la direction. Ah, je sais pas pourquoi ça m'inspire bien ça. Ah, c'est assez proche des pays scandinaves, hein, Danemark. Je pense que c'est bien développé pour pas mal de choses. C'est un peu comme les Pays-Bas, non? Ils aiment bien les vélos, comme tu disais. La mobilité un peu douce. Je me demande quel climat il fait là-bas. J'aime bien leur panneau qui fait comme ça, tu sais. C'est joli. Je trouve ça élégant. Alors. Balekir, quoi, mais il nous faut des kilomètres, en fait. Ou un route. Par contre, ils mettent peu leur route, hein. Ça, c'est le seul truc un peu chiant. Il y a des bus. Attends, on va checker si on serait pas à Copenhague, hein. Qu'est-ce que j'avais mis comme nom? Kragelund. Non, ça a pas l'air d'être ça, hein. Ah, très très bon panneau. Alors ça, c'est vraiment les panneaux qu'on cherche. Donc on a Vilborg. On est sur la 52. Oups. 52. Et la 15... Ah, il y a une autoroute quand même. 15 et 52. Alors là, il y a la 17, il y a la 16. 16. 16. La 53. 53. 14. Alors bien sûr, on trouve la 14 et la 16, mais pas la 15. Ah non, ils vont pas nous faire le coup. 54, 22, 14, 52 et 15, hein. 53, 53, 53. Je vais vriller, hein. Y a pas de 52 ici. 52, 15. C'est une dinguerie. 11, 12, 18, 52, 15. Ok. L'endroit où la 52 et la 15 se rejoignent, c'est à Silkeborg. Et on a dit qu'on était où? On a dit qu'on était à Silkeborg au départ. Parfait. On tourne au point de départ. Bon, on s'est rapproché. Et là, il va falloir qu'on cède des noms de rue. Donc, on a une voie sans issue. Sankelmarksveg. Qui va direction sud. Sankelmarksveg au sud. Sankelmarksveg. C'est un jeu qui demande un peu de patience, mais en vrai, quand tu trouves, t'es content après. Je trouve GeoGuessr, c'est vraiment satisfaisant. Peut-être de l'autre côté. Comment on a dit que ça s'appelait? Sankelmarksveg. Je vais le noter. On va les noter. Alors, il y a Sankelmarksveg. On est d'accord que ça veut dire sans issue pour les gens qui ont un vélo ou une voiture. Et on a Slienveg. Ça veut dire impasse. C'est marrant. Après, on pourra peut-être trouver juste dans quelle rue on est là actuellement, la grande. J'ai l'impression que c'est une sorte de périph. Rizumveg. Rizumveg.
On en note 3-4, après on regardera sur le plan. Jalsvej. Alors, déjà, on va regarder avec ça. Donc, on a... Oups. Ah, mais c'est chiant. Jalsvej. Rizum Slien Jels. Slien Rizum Jel. Jels. C'est marrant, là, c'est que des allées. Et moi, je suis dans des vages. Rizem. Ah, c'est frustrant! C'est tellement frustrant! Et là? Slien! Rizum. Ok, j'ai trouvé. On est là. Alors, parfait. Donc, on est. À l'est, nous avons. À l'est, nous avons Sankal. Nous avons Sankal. Sankal qui est là. Sankel et Slienge. C'est ça, hein. Ok. À l'est, nous avons ça. Et si on remonte un peu, nous avons bel et bien... Ah oui, c'est loin quand même, hein. Là, nous avons... Le premier qu'on a, c'est Jels. Non, c'est Rizum. Rizum, après, c'est Jels. Ok. Alors. Est-ce qu'il y a une petite route qui passe? On est quand même assez proche de ça, hein. On peut compter les maisons, sinon ça c'est l'autre technique, hein. Donc on a une maison. On a une maison là. Deux petites à côté. Ouais, deux petites là, deux petits machins. Deux petits machins, puis... Une grande. On serait là. On est même pas là. Et puis, est-ce que... Il est là, le petit chemin. Là, il y a le petit chemin qui permet de couper. On va compter les pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pour être en face du truc. Et... 1, 2, 3, 4, 5. On est plus proche de ça. On est là. 8 mètres. Voilà. Allez, plus que 2 points et on est libéré. Oh là là, on est de nouveau dans la cambrousse. Je crois que je commence vraiment à en avoir marre là. Ah! Non, s'il te plaît, foute pas. Alors, on a. On a l'estrup. L'estrup. Sud, on va dire. Et on a Iled, un kill, et Kongstead, 4 kills, nord. Ça fait longtemps que j'ai pas été voir PokéClicker. Ah oui, j'ai plein de à faire éclore. Ok, on va se faire une petite session minage. Hop. Tac, tac, tac. Tac, tac. Tac, tac. Hop.
Hop, hop, hop. Hop. Hop, hop, hop. Hop, hop. Hop, hop. Hop. Voilà. Ah oui, moi j'ai... Oui, j'ai plongé dans PokéClicker. Ah, il y a Orup aussi. Et Orup au... à l'est. Orup, 2 km est. En vrai, c'est pas aussi simple que ce que je pensais, le Danemark. Je pensais que ce serait plus simple que ça, mon cher Twin. On est à l'entrée de Hilad. Toi, tu t'y es... Tu n'as pas encore succombé. Boire un peu d'eau. Et Jidrup aussi. Bizarre cette musique un peu, hein. Allez, 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 allez. Donnez-nous un nom de route, un numéro de route et puis on est bon. On a quand même beaucoup, beaucoup d'informations. On a des croisements et tout. C'est plutôt chouette. Ok, ça c'est nul. Là peut-être. Je ne sais pas. Je ne suis pas sûr. Parapapapapapa. C'est Death's Door, non? Et là, on arrive à Kongstad. Donc on a déjà fait 4 kills. Zone 40. Ça a l'air déjà un peu plus... La route a l'air en meilleur état. Est-ce qu'on arriverait dans une zone un peu plus... urbaine? Peut-être. Ouais, bon, ça on s'en fiche. Faut des grosses infos. Zone 30, ok. Ils ont quand même peu de panneaux de... Avec les routes, quoi. Qu'est-ce qui est écrit, là? Imaginez si c'est le numéro de la route, en petit. 9. On serait sur la route 9? Ah, mais c'est la route de vélo. J'ai envie de canner. C'est la route de vélo. Est-ce que t'as déjà été au Danemark, Twin? Les travaux. Jamais. Moi non plus. J'avoue que je préférais un peu plus la Norvège ou la Suède. Au Danemark. Mais là, on est à une bifurcation incroyable. Ah, fax sur la 154. Ok. On arrive à la 154. Alors, 154, c'est enfin une info intéressante. En plus, pour avoir un petit peu... Voilà, c'est par là, je crois, la 154. Attends, non. La 154. Là, il y a la 155. Est-ce que ce serait là? Non.
156. C'est vrai que c'est pas connu pour son côté touristique. J'avoue. Où est-ce que j'avais vu la 154? Ah oui, c'était peut-être au sud, tiens. C'est peut-être par là. 153. Mmh. 154, fax. Ok. Et nous, ce qu'on avait, c'était... Kongstad et Hilad. On était à Hilad. Parfait. Alors, maintenant, il faut essayer d'être précis. Donc, si je vais au nord... Nord-est... On arrive à Hilad. Donc nord-est, puis nord. Ce serait là. Ça va être dur d'être précis, hein. Sachant que... Ouais, puis là, il y a une petite route à gauche. Là. Ok. Si je vais direction sud... Comment veux-tu être précis? Il faut se baser sur les croisements. Ah ouais, là ça tourne et puis après on a notre route qui part là-bas. Celle qu'on avait trouvée là. Avec toutes les infos. C'est loin. Là. On était là. Donc là, c'est là. Alors, voyons voir par rapport à la route. On est... Direction nord-est. Nord-nord-est. Là. Ouais. Et on arrive à un endroit où ça a tourné. Et derrière nous, c'est plus ou moins droit. Ouais, je pense qu'on est bien placé là. Technique des flèches, Twin. Regarde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est un peu de la merde. C'est dur d'être précis. Faut essayer de mesurer la distance entre les virages. Parce que là, ça tourne assez vite au final. Peut-être un peu trop... Ouais, on va se mettre là, tiens. Hop. 3 mètres. Ok, dernier point. Ouh, un joli point là. Avec des éoliennes et tout. Industricage. Non, non, mais à part le point dans les ruines, généralement j'arrive à faire les 5000. Hein. Après, je joue sans limite de temps. C'est aussi pour ça. Mais si tu veux te marrer, si tu es encore là après, je ferai un peu en France. Vous allez vous marrer à me voir galérer. Alors, dernier point. On aura fait... J'ai fait 25 000 sur l'Estonie tout à l'heure. Avec 3 points en... Un point en 5 minutes, un point en 10 minutes, un point en 15 minutes, et un point en 40 minutes, et un point en 50. C'était affreux. Alors, quelles sont les infos? Vandregem. Ah, c'est marrant. Je pourrais presque croire qu'on est par là. Ça, je sais pas si ça appartient à... Ça n'appartient pas à la... au Danemark. Pas du tout, on est trop loin. Mais c'est écrit comme de... C'est écrit comme... Dans les îles Féroé. Vandregem et... Hydraets Og... Svomhal. Mouais. Un gros rond-point.
Ça, c'est cool, ça. Un gros panneau, on va voir le gros panneau, après on reviendra. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Nordhavn, Strand sont les parkings. Dire un port, c'est marrant. Hein. Vidsande. On est à Vidsande. Vidsande. C'est encore les trucs de parking. Alors c'est marrant parce que à l'est il y a de l'eau. On est sur une île hein. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Là, on arrive où? Kvitsande. Havnen. C'est drôle, hein? Ça a l'air d'être assez grand, quand même. Au bord de l'eau. Encore des parkings. Ah, oh, je sens le plan Huc. Je sens le plan Huc en plein milieu d'une île, encore une fois. Attends, je vais re-regarder mon île. Mon île qui était donc là. Il n'y a pas Vidsande, hein. Non. Et dans un truc un peu comme ça. Un truc avec un pont où il y aurait de l'eau des deux côtés. Là. Non. Ça aurait pu être ça, mais non. Tant que j'ai pas de numéro de route, c'est un peu compliqué d'estimer, je trouve. Qu'est-ce qu'ils disent, là? Non, c'est rien. Ouais, c'est sûrement voyager... On quitte Vidsande. On a de l'eau à l'est. Nord-est. De l'eau à l'est. Karen Brandsveig. Ils veulent pas mettre un numéro de route, hein, non. Ce serait trop demandé. Ce serait vraiment trop demandé de mettre un numéro de route. What? Windsurfing. Coucou Swam. Ouais, c'est Wam. Hello. J'ai cru que c'était un S, mais ça marche aussi avec un C. Comment ça va? On cherche un pont en Danemark. Le dernier. Ça va, ça va. Ah, 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 ça c'est très bien ça. J'ai failli le rater. Parfait, on a toutes les informations qu'il nous faut. 181. La 181. 180. Bah, cool.
Du coup, la 181... Sachant qu'il y a quand même... NR Nebel... qui a 25 kills. Et Sondervig a 17. Est-ce qu'on arrive à voir la 181 quelque part? Est-ce que je la trouve? Nope. La 180, j'ai l'impression qu'elle traverse un peu tout le pays. 187. Tu connais GeoGuessr, Sewam? Ou pas? 179, c'est plutôt bien. Attends, Sondervig et... Je vais les noter. Sondervig. 17 kills. Direction à peu près nord. Ok. Mettre nord 2 points. Hop. Et sud, on a NR Nebel à 25 kills. Et on peut mettre comme ça 181. Hop. Comme ça, ça nous permet. Et puis on a même Nimin des bagues. Nimin des bagues aussi. Nimin des bagues. Ah, 19 kills. 181. Oh, un Doduo shiny. Incroyable. Attends, est-ce que je peux mettre des Pokémon de type glace? Filtre. Type. Ice. Je mets tous mes Pokémon glace comme ça. Je commence seulement à regarder, j'ai essayé une ou deux fois sur téléphone. Ah, sur téléphone, c'est dur. D'accord. Bah écoute, si t'as des questions, n'hésite pas. Après, si tu veux, je peux partir en monde pour te donner quelques astuces, si tu veux. Mais sur téléphone, je pense que tu vas galérer, hein. C'est plus difficile. Donc là, j'essaie de trouver la route 181. Vu que j'ai pas mal d'infos par rapport à cette route. Et on voit que c'est en blanc. Donc, ça veut dire que ce sont les routes encadrées en blanc au Danemark. 181. Ah bah, tu vois, je l'ai trouvé. Donc, maintenant que j'ai ça, on essaie de retrouver... Alors, voilà. Ça doit être par là. On longe. Et la ville de départ, c'était... Kvidsande. C'est cette fameuse île. Incroyable. J'ai trouvé par hasard. J'en profite pour faire vite fait ça. Désolé, l'addiction est... Oh, c'est gentil pour ton follow, merci. Je suis un petit peu tombé dans le piège de Pokémon... PokéClicker. Donc, régulièrement, on fait une petite session minage. Voilà, hop. Tac, 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 tac. Hop, hop. Bien joué pour ton level up, Gwen. Hop, on se fait deux petits points comme ça. Du coup, retournons au point de départ. Nous sommes à l'angle de Industricage. Au sud-est, nous avons de l'eau. Alors, est-ce que je trouve Industricage ? Il faut vraiment... C'est ce que j'appelle la technique de l'entonnoir. Tu pars des infos les plus vastes. Donc là, c'était la route. Pour trouver la ville. Pour trouver la rue. Donc, on est à une Industricage. Mais on avait d'autres informations. On est sur une route qui fait nord-est. Là, on tourne. On arrive au sud maintenant.
Et ici, nous avons Nordhavnskage. Alors, je vais noter ça. Nordhavnskage. C'est pas mal d'avoir quelque chose pour noter quand tu joues à jeu guesser aussi. Les infos. Parce que on oublie vite. Surtout quand t'es pas dans un pays où tu parles la langue. Ok, on est de nouveau à nord. Ok, on va à l'est. Et si on continue à l'est, sauf erreur, on a un rond-point. Ok, on a le rond-point qui nous permet d'aller de l'autre côté. Et là, nous avons un rond-point qui nous permet d'aller de l'autre côté. Parce qu'on a le petit pont. Ah, est-ce que c'est bien Trollsbjergsveg? Ah, on va au sud. Ah non, on est de l'autre côté, du coup. Trollsbjergsveg, tu vois, je l'ai trouvé. On remonte. Et une districage est là. Du coup, je me remets au point de départ. On vérifie. On est sur une route qui fait à peu près nord-est. Ouais, c'est très vite fait nord-est. Si je me retourne juste là, au sud, j'ai Industricage. Là, au sud, j'ai Industricage. On est juste un peu avant. Donc, on est là. Devant le parking. Et là, normalement, hop, si je me trompe pas. 6 mètres. Mon premier essai, j'ai fait un no move. No Move World. Oh, t'es fort. Et voilà. Petite médaille d'or au Danemark. Je suis content. On a été un peu partout aussi. Ce point-là qui me coûte malheureusement... qui me coûte malheureusement le 5000. Je pouvais pas être plus précis. Merci Toadette pour ton raid. Arknight, le fameux jeu. Bah voilà, ça s'est plutôt bien passé finalement. 9 minutes, 50 minutes, 13 minutes, 9 minutes, 13 minutes. C'est quand même plus rapide. Ça va et toi? On s'est un petit peu fait avoir sur un point, je suis un peu déçu. Mais deux médailles d'or aujourd'hui. J'ai fait la médaille d'or en Estonie et au Danemark.